Olá a todas as minhas zebras, obrigado por me assistir do Brasil. Como você pode ver, estamos cedo esta noite, sem ofensa aos outros. Bonsoir les amis, excusez-moi, c'était un petit mot en portugais pour mes viewers brésiliens qui sont à l'heure pour le live react, puisqu'effectivement, il est presque 20h au Brésil. On est bueno, c'est parti les amis. Tu voudrais pas react à toi qui react à une vidéo? Sur ma vie que j'en ai vu des concepts éclatés, mais celui-là, il est facilement dans mon top 3. En bas là. Cela fait un an que Dounia clash pour Habib. Elle a de vrais sentiments pour le cousin de son meilleur ami et va enfin se jeter à l'eau. Pour le cousin de son meilleur ami. Ok, très pour bien. Pour lui faire une belle déclaration. Je m'appelle Dounia, j'ai 18 ans et j'ai... Salut Dounia. Je suis auto-entrepreneur. Mannequin, voilà. Non, c'est pas chier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils arrivent dans la vie, frérot. On leur dit, tu fais quoi? Mannequin. Moi, j'ai 26 ans. Les gens, ils me disent, tu fais quoi dans la vie? Alors, je fais des vidéos sur Internet. Je joue à un jeu de foot avec des voitures. On n'a pas tous la même chance en société, les frères. J'ai croisé une personne que j'ai eu coup de foudre direct. Il est là. Je m'appelle Habib. Habib. J'ai 25 ans. Soudeur. Mais à l'international. Frérot, qu'est-ce que c'est? C'est genre, il y a un mercato, frère. Il est pas soudeur, genre, non. Il est soudeur à l'international. Frérot, il y a des gars qui l'appellent en Hongrie, qui lui disent, ouais, Habib, yeah, alright. Yeah, Habib, we need a soudeur. Yeah, very, very complicated. Alright. Vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, Habib. C'est exceptionnel. C'est le numéro 1 de la soudure. Je sais pas si vous vous rendez compte de qui on a affaire. C'est exactement le style de personne que je cherche. D'accord. Il est autant magnifique de l'extérieur que de l'intérieur. Ouais, merci. Son visage, ses mimiques, sa façon de rigoler, sa façon de parler. Bon, l'amoureuse, hein. Lui, il faut qu'elle soit différente des autres. C'est-à-dire, dès que je la vois, faut qu'elle dégage quelque chose. Ouais, mais c'est vrai que c'est mieux que votre femme, elle soit différente des autres, parce que sinon, après, pour la retrouver et tout, c'est compliqué. Faut que... Après, voilà, j'espère que c'est réciproque. Attention, on va voir ça. Oh là là! Alors qu'est-ce qui... Oh, Bibi, sait plus quoi faire, il sait plus où se mettre. Et tu pensais que c'était qui? J'avais un des deux doutes, c'était toi. Après, c'était une fille... C'était qui cette fille? Oh le con! Oh Habib! Oh, tu es soudeur à l'international! Tu es une mannequin de 18 ans, frérot, qui vient te voir, et toi, tu me niques le plan comme ça, Habib! Oh, l'erreur! La boulette, Habib! Non, non, je crois que tu connais pas, tu connais pas. Trop le seul. Ah, mais pourquoi moi? Oh, il a vite changé de sujet, il a vite bifurqué, c'est le meilleur dans son domaine, on le rappelle. Pourquoi moi? Ben, parce que tu m'intéresses, et parce que... Oh, comment elle va fouiller son téléphone depuis qu'il a dit ça? On n'a pas eu l'occasion de vraiment bien se parler. Ce que tu penses de moi, si tu serais d'accord de te projeter avec moi. J'ai besoin d'une fille qui soit mature, en fait. Faut pas que ma relation soit un frein pour moi. J'ai pas le temps, entre guillemets, des gamineries, en fait. Et ouais. Après, elle a 18 ans, hein, c'est l'âge pour faire des gamineries aussi. Hein. On en a rien à foutre des gens en trottinette. Ah non, pardon, excusez-moi, Victoria, je savais pas que c'était toi dans l'émission, on croyait qu'on montrait des gens en trottinette. Je veux dire, c'est bon, on les voit toute la journée, là. Il y a des gens, excusez-moi, j'en profite. Hein. Les gens en trottinette qui ont des casques sur les oreilles de musique à fond et qui passent à toute berzingue dans la ville. Est-ce que quelqu'un vous a déjà mis au courant que vous avez pas 3 vies? Vous êtes bien au courant de ça? C'est-à-dire... C'est un game over définitif. Quand tu meurs, hein, dans la vraie vie, hein. Personne ne leur a dit à ces gens, non? C'est où ils sont pas au courant de la mort. Ils ne savent pas que ça existe, je pense. Les gars, ils sont là, ils sont en détente, frérot. Ils sont en Y sur leur trottinette, musique à fond, vas-y que je passe sur les voies du... Ils sont comme ça. La vie de ma rhum, personne leur a dit que la mort, ça existe. On m'a jamais fait de déclaration d'amour, non, c'est la toute première fois. Est-ce que vous avez déjà fait une déclaration d'amour, les amis? Tout le monde rêverait d'être à ma place, d'ailleurs. Non, jamais, jamais, jamais. Ouais, non, mais vous ratez rien, les gars. Moi, on m'en fait tous les jours, c'est relou, non, la vérité. J'ai pas vraiment de personne qui pourrait me faire plaisir à revoir, parce que j'ai été beaucoup déçue, en fait. Alors, qui est la personne susnommée? Comment t'appelles-tu? Peyton. Oh, j'adore. Comment? Ça va? Peyton? Comment tu te sens? Ça va, un peu stressé, mais ça va, j'ai hâte. Elle a cru qu'elle jouait dans une série Netflix, on est où là? Qu'on est séparés du coup depuis 2 ans. On s'est revus il y a 1 an et demi, sauf que moi j'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un. D'accord. Du coup j'ai pas osé... C'est son ex? Attendez, on va remettre là, il faut qu'on rire. Attends, comment elle s'appelle déjà? Comment t'appelles-tu? Peyton. Ça par contre, même avec la barre, je comprends toujours pas. Peyton. J'ai même cru qu'elle était pas française, j'ai cru que c'était une anglaise, je sais pas quoi. Une américaine, elle est arrivée. Comment tu t'appelles? Peyton. Alors, ça se prononce bien comme ça.
Peyton. La vie de ma mère, on est où? On est où, sans déconner? Victoria et moi, wow, on est restés 3 ans ensemble. C'était une relation passionnelle, fusionnelle. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté? On s'est séparés 3 fois. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais à chaque fois, on reprenait contact. Ça sent la relation passionnelle toxique. Hein. Ou de ses copines, elle reprenait contact avec moi. Ainsi de suite. Oh là là. Ça, c'est une tête bizarre, les refs. Ça, c'est pas une tête de genre en mode... Oula. Oula! Oula! Aïe! On a une retour avec Julien. En fait, moi j'aimerais avoir une vraie réponse. Je sais que par rapport à notre différence d'âge, ça reste psychologique. Aïe. Hein, mais après, il faut savoir que la différence d'âge. C'est dans la tête. Genre, tu vois, au fil des années, ça s'estompe, tu le vois plus trop, tu vois. L'âge ne définit pas la maturité. Elle lui a sorti des grandes phrases Facebook là pour montrer qu'elle était mature. Je suis prêt à tenter quelque chose, même si je sais que c'est compliqué par rapport un peu à mon boulot. Et ouais, il est soudeur à l'international, les gars. C'est-à-dire qu'il y a le sélectionneur des soudeurs qui l'appelle, qui lui dit: ouais, Habib, on a besoin de toi là, j'ai une soudure en 4-4-3. Voilà, j'ai besoin d'expérience sur le terrain. Il y a de la tuyauterie vraiment efficace en face, ça va pas être un match facile. T'es sélectionné pour la Coupe du Monde des soudeurs. Merci. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un boulot quand même où le gars bouge un peu. C'est très bien, ce que je veux, c'est partir en Suisse et rester là-bas. Ah, il a des contacts dans un club de soudure suisse. Je serais prête à le suivre de partout s'il faut, carrément. Pour l'aider et qu'on s'assemble, histoire de former quelque chose. Qu'on s'assemble dans... deux énergies. Attention sur le choix des mots, Dounia. Si rassemble ensemble, ça fera quelque chose de grand. C'était peut-être pas le meilleur mot. Non, je serai à 100% que je lui plais. Ballon d'or de la soudure, mais c'est lui qui les gagne tous depuis qu'il est soudeur à l'international. Là, carrément, je peux dire que je repars avec la femme idéale. Eh ben, c'est mignon, ça. Bon, on verra. Je m'appelle Blandine. J'ai 35 ans. Bonsoir, Blandine. Je suis actuellement auto-entrepreneur dans la restauration. D'accord. Très bien. J'ai des sentiments pour Cyril. Il est où, le Cyril? Il est là. Waouh, j'ai dit, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce beau gosse, ça? Un ancien collègue de boulot avec qui j'ai travaillé pendant à peu près 3 mois. Petit jeu coquin, enfin taquin. Auto-entrepreneur dans la restauration. Non, mais je vous le dis, hein, les amis, auto-entrepreneur dans la restauration, elle a juste un compte Snapchat qui s'appelle Les Délices de Blandine, hein, et elle vend des gâteaux. Hein. Lui, comme moi, on n'a jamais fait le premier pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je vais le faire le premier pas. Ils ont fait des jeux coquins à la photocopieuse, là, les deux? Attends, j'ai pas entendu. Je parlais de son activité. Enfin, taquin, pardon. Tactile et sourire. Ouh là là, ouais, tactile, oui. En bas là, c'était bien tactile. Hein. Il a touché, il a transformé l'essai, hein, le copain. Il fait partie des critères que je recherche, quoi. D'accord. Vous entendez, elle est excitée, la cousine. Hein. Là, elle se rappelle de leur petit jeu à la photocopieuse. Hein. Elle est là, genre, c'est le mec que je recherche. Elle est waouh. C'est à quoi l'homme dans la culotte, hein. Il a beaucoup de qualité parce qu'il est gentil, attentionné. Il est pas bien. Oh putain, il se souvient de la photocopieuse. Il se souvient du smash qu'il lui a mis. Aïe, 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 les souvenirs qui remontent. Salut. Oh putain. Bah c'est moi. Ah bah merci, on avait remarqué. Super. Qu'est-ce qui m'amène? Elle veut te croquer le bangala. À toi, j'ai passé des très très bons moments avec toi au travail. Tu te rappelles au restaurant? Bizarre. Je me souviens, ouais. Ouais. Quand t'étais taquin, là, tu me piquais tout le temps. Il est pas bien, le ref. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une dinguerie. Il a vu ma mère, il a fait une dinguerie. Et il a pas envie que ça sorte devant une caméra, devant la France entière. Il a un regard. Et lui, il a fait un truc, les frères, on n'est pas prêts. Il lui a fait un truc. Elle a jamais vu ça de sa vie, frérot. Il lui a fait un truc de zinzin de l'espace. C'est bien la première fois que je fais une déclaration. Il est pas bien, il est pas serein. À un homme, je ressens des choses pour toi, en fait. Elle est franche, hein. Waouh, elle lui a mis carte sur table. Waouh, hein. Wow. Ça parle français ici. Fortes. Bah oui, c'est de l'amour, oui. Comme j'ai pas eu trop de signes de toi, et puis moi non plus, j'ai pas osé. Moi, c'était un peu perdu de vue. Ouais. Alors bon, on va voir plus tard, je sais pas, hein. Je sais pas comment tenir. Oh putain, Lex. Attention. Oh là 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 là. C'est une blague. T'en es loin, c'est horrible. Il y a de la passion dans les regards, les amis. Tu voulais que ce soit qui? Je suis choquée. Ah bon? Ouais. Bah non, ça pouvait être que moi. Peyton, c'est une fille avec. Donc c'est Peyton, elles ont bien entendu. Là, Dae, depuis tout à l'heure, il nous dit Clayton, excusez-moi, je suis bilingue, non, parce que mon oncle, il a vécu 6 ans à Londres, et quand j'étais petit, ben, j'allais là-bas avec ma famille, donc j'ai un niveau d'anglais qui est vraiment très bon, je suis toujours 18 de moyenne. Peyton, vous lui mettez un terreau à lui. Elle m'a fait beaucoup souffrir, j'ai beaucoup aimé. Quand elle m'a découverte, bizarre, elle a relation. Été assez surprise. Au final, je pensais qu'elle s'y attendait, mais pas du tout. Alors, là, ça va être compliqué pour moi. Tu trembles. Ouais, je tremble, ouais, je sais pas. Bah, elle a bien... Attendez, c'est son ex qui arrive dans une émission comme ça. Elle a bien compris qu'elle va pas lui proposer une partie de tennis, non? Elle va pas lui dire, bah écoute, voilà, c'est vrai, Victoria, depuis...
Depuis qu'on s'est séparés, je me questionne et je me... Voilà, j'ai... ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais malgré la séparation, j'aimerais te proposer une partie de Scrabble. Ça fait du bien de l'avoir dit. Quand on s'est revu, quand t'as dû m'aider pour mon déménagement, bah moi j'ai eu une sorte de déclic. D'accord. Mais en fait, j'en ai marre de rester. Un petit déclic, je me suis dit, est-ce qu'on se remettrait pas encore une fois, une quatrième fois ensemble pour se séparer peut-être ? J'ai vraiment besoin d'avoir une réponse pour pouvoir moi soit continuer, soit arrêter. J'ai partiel demain, mais je suis là pour regarder ces masterclass comme tous les vendredis. Force mon ref, on n'est pas ensemble pour ton avenir. Je suis aussi là pour m'excuser. Ah, oh, 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 oh. J'ai pas fait les choses bien. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Le pire que j'ai fait, je pense que c'est te laisser partir. Oh, mais c'est qu'on va chialer, putain. Après ce qui s'est passé, t'as plus confiance. Mais les larmes, oh, ça va marcher, hein. Oh là 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 là, voilà, non mais alors là. Les amis, je ne comprends rien en amour si ça se foudroie pas là. Mis à part qu'elle vraiment, elle fait des trucs de ouf et que ça. Mais là. Moi, mon but, c'est vraiment de faire mon avenir avec toi. Waouh! Je veux vraiment concrétiser. Je veux créer une famille avec toi. La meuf, c'est pas Alanda, elle disparaît pas dans les grands matchs. Hein. Certes, on a passé des bons moments ensemble. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça se voit qu'il y a de l'amour, mais il y a un background. À mise à part, on sait pas ce qu'elle a fait. Et je pense qu'elle a fait une dinguerie. Peyton! Il y a eu des moments difficiles. On s'est remis ensemble. Il y a eu beaucoup de cassures. C'est une relation qui, je pense, est vouée à l'échec. J'ai l'impression d'être un vieux con aigri. C'est peut-être ce que je suis finalement, puisque je vieillis. Mais ça pue du cul. Bah non, mais c'est bon, au bout d'un moment, tu t'es séparé 4 fois. Je veux dire, c'est la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là, on joue pas la bonne paye, quoi. Genre, allez, relance les dés, on va voir si ça marche mieux. Ah, c'est bon, oui, non, les gars. J'ai encaissé. J'ai. Et ça, voilà, effectivement, ça veut pas dire que forcément que les personnes, elles ne s'aiment pas, mais elles sont pas compatibles dans une vie de couple, quoi. J'ai perdu confiance en moi, en l'amour. Tant on a re-essayé des fois et des fois. On a mal essayé. Elle va la faire ressouffrir. Je préfère être honnête avec toi et te dire les choses. Je pense que je t'ai trop donné, trop aimé. Ouf! À l'heure actuelle, je veux pas te faire du mal. Hein. Moi, j'ai un pot de gel hydroalcoolique dans l'œil, là. Pour moi, je vois plus mon avenir avec toi. Oh là là. Absolument plus rien. Enfin, j'ai plus cette adrénaline que j'avais parce qu'elle quand a trop je la voyais. Souffrir. Plus... En fait, je pense que tu m'as fait trop de mal. Eh oui. J'ai trop été déçu. Eh oui. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi... Je pense qu'elle vient de prendre une décision de zinzin. J'ai clairement tourné la page. Je pense que en c'est tout cas, très je te souhaite d'être heureuse. Bah, moi aussi, ouf, je te souhaite mal. De trouver l'amour de ta vie. Ça oh le Sam, ouah, j'ai ouah, j'ai envie de hurler. Je vais y aller. Oh waouh, elle la bon, voit. Oh là, c'est terrible. À toi. Merci toi aussi, Romain. J'ai tenté le tout pour le tout et ça n'a pas marché, tant pis. Je pense qu'une patate de Cyril Gann, ça fait moins mal que ce qu'elle vient de prendre. Elle est brisée en 4208 morceaux. C'est une catastrophe. Déjà, ça me fait plaisir que ça soit toi. Il y a eu quelques petits bisous. Ah. Et ah oui, il y a eu des bons jeux. Peut-être voulu que ça aille plus loin, mais on est d'accord. Comme on travaillait ensemble, c'était compliqué. Il y a eu des bons jeux coquins et quand même. Hein, déjà, le lapsus, c'était vrai. Je sais pas hein. Si c'était une idée vraiment. C'était abouti, un vrai lapsus. Mais si peut-être on était resté ensemble plus longtemps, peut-être que ça aurait pu fonctionner. Finalement, enfin, ça a été et compliqué. Ouais, tout ce genre de choses. Mais franchement, non, je suis très content que ça soit toi. Et du coup, quand t'es avec moi, tu te sens comment alors du coup? Tu te sens bien ou. Ouais, je me sens bien, je me sens posé, léger. Léger? Ah ouais. C'est mignon. Ah, c'est bien, c'est positif. Hein. Ah, quand bah oui, oui. Bah, si t'avais dit qu'elle avait envie de chier, par exemple, ça aurait été un peu plus chiant, quoi. Ça m'a fait énormément plaisir. Quoi. Oh là là, ça pétille dans les yeux, ça pétille. Hein. Du coup, on a la même vision. Donc, du coup, t'aimerais me découvrir, qu'on passe un peu plus de temps. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, découvrir, ouais. Qu'on soit. Bon, allez, si foudroyez-vous, on n'en peut plus, là. Apprendre à mieux se connaître, c'est bon. Passer du temps ensemble à l'extérieur. C'est bon. Entre guillemets. Ouais, un couple, en fait, vous voulez être un couple. Putain, vous avez 35 et 30 ans, merde. Mettez les mots. Vous voulez être un couple, vous voulez avoir une relation. Allez, merci, dégagez du restaurant, là. Putain, il y a des gens qui veulent manger. Tu me fais tourner la tête. Oh, la bisou. Ça valait le coup de nous mettre des gestes barrières, 8 litres de gel hydro, 2 tables d'écart pour s'attraper la bouche à la sortie. Hein. Je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans. Salut Mathieu. J'habite près de Nantes et je suis ambulancier dans la vie. Ah, c'est une collègue de travail ambulancière. Les sentiments que je ressentais envers elle. Quand je suis proche d'elle, l'ambiance miteuse, si c'est refoulé. J'ai une sensation de joie. Alors là, les amis, ce genre de truc, ils sont ambulanciers, ils se retrouvent dans le même camion. C'est soit ça se passe bien, ils arrivent à faire un truc et je peux te dire que l'ambulance, hein, en long, en large et en travers, hein, dans tous les sens, ils vont copuler là-dedans. Soit c'est terminé, ils sont comme ça après dans la camionnette. C'est l'un ou l'autre. Marine représente ce que j'aime beaucoup chez une femme.
Oula, bizarre cette phrase. Très bizarre, c'est ce que j'aime beaucoup chez la femme. C'est fini. Oh là là, là elle sait que son boulot est niqué en fait. Elle a dit le travail c'est très important. Un mec, elle a pas du tout envie d'être avec lui. Elle a pas du tout envie. Même elle a pas l'air de même l'aimer, de l'apprécier pas. Son collègue, elle a rigolé genre en mode oh putain il est con et tout. Non, j'ai l'impression qu'elle a aucun feeling avec ce gars et elle va se retrouver dans une ambulance tous les jours avec lui. Oh, oh là là. Merci. Oh ça va être dur. Oh là, les gars attachez-vous. J'ai jamais réussi à t'aborder et j'arrêtais plus trouver une autre façon de te le dire, mais je pouvais plus reculer, il fallait que tu le saches. Je pensais avoir été clair et... Oh putain, c'est un forceur. Oh putain, c'est un forceur. Oh là 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 là. Et c'est pour ça la réaction, elle en peut plus au boulot, il doit être horrible. Je pensais que t'avais pu comprendre et t'en rendre compte dans mon comportement, dans ce que je pouvais dire. Ouais, après c'est vrai que enfin. Elle est en stress, elle est pas bien. En fait, le gars la met mal à l'aise, hein. Premier degré. Hein. Pour moi, le travail, c'est le travail. Et oh là c'est là. Un collègue. Là, elle doit repenser à toutes les fois où il a fait des trucs un peu bizarres. Et effectivement, peut-être pas un ami comme il l'aurait voulu. Je sais qu'on travaille demain ensemble. C'est insoutenable. Elle va changer de travail. La vérité, tu peux pas rester, c'est pas possible. Elle va démissionner, c'est impossible autrement. Je pense que la reprise du travail avec lui va être un petit peu, oh là là. Un petit peu compliquée. Mais comment on va laisser... Mais mets-toi en arrêt maladie. Non, la vie de ma mère, mets-toi en arrêt maladie. Je plains cette pauvre femme qui va travailler tous les jours avec ce. Oh, ma rage, j'ai jamais vu ça dans une émission. Je dis à demain. Ouais. Oh, le à demain. Oh, les dégoûtés. Depuis le tournage de l'émission, alors... Dounia et Habib sont plus amoureux que jamais. Coucou okay. Tout le monde, c'est Dounia et Habib, donc on peut le voir, on est toujours ensemble, on est c'est hyper, beau, ça. Hyper bravo. Heureux. Et du coup, merci à l'émission, grâce à vous, on a pu être ensemble, c'est vraiment trop, trop bien. D'accord. Quant à Peyton, elle guérit petit à petit de son chagrin d'amour et se reconstruit sentimentalement. Le fut, je voulais te dire un truc depuis quelques temps, s'est rapproché, comment te dire. Ouais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut me grignoter le Bengala. Haribo, quand c'est mon admirateur secret à moi.